Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Londres et en fait je vais vous faire découvrir pour moi les 7 lieux les plus incontournables à voir à Londres. Et donc pour moi la première des choses, donc là ça englobe plusieurs petites choses, c'est d'aller se rendre sur les lieux de tournage des films. Comme là par exemple, en fait on est devant le chaudron baveur. En fait il y en a deux à Londres, là c'est celui qui a servi de tournage pour Harry Potter 1. Et en plus le quartier est vraiment trop sympa, là c'est le quartier Leadenhall Market. Pour les lieux de tournage, je vais englober ça là dans ce premier numéro, mais dans la description, je vous mets un lien de la Gazette du Sorcier qui a répertorié tous les lieux de tournage à voir à Londres et c'est vraiment trop chouette. On peut aller à Piccadilly Circus, on peut se rendre sur le pont qui est détruit dans Harry Potter 6. Voilà, pour moi, c'est la chose à faire, se balader sur les traces d'Harry Potter, sur les traces des films Harry Potter. Alors en numéro 2, il faut venir à la gare King's Cross qui est un lieu symbolique dans Harry Potter. Les parents de J.K. Rowling se sont rencontrés ici, c'est assez fou. Et c'est pour ça du coup justement qu'elle a mis la gare King's Cross au centre de l'histoire. Donc c'est trop chouette puisque c'est une vraie gare qui est trop belle. Il y a une boutique où on peut faire du shopping et craquer. La boutique est vraiment top, même si on se marche un peu dessus des fois. Un photo hub trop cool où on peut prendre des photos, cet endroit est vraiment trop chouette et surtout on est juste à côté de Saint Pancras qu'on voit également dans les films. Alors le troisième lieu que je vous invite à visiter, il est tout simplement génial, ça s'appelle la House of Minalima. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une exposition Harry Potter qui est devenue permanente et c'est une exposition des travaux de Eduardo Lima et Mirafora Mina qui sont les designers de la saga Harry Potter. En fait, ils ont fait tous les visuels comme les chocos grenouilles, là vous voyez, c'est les cahiers des livres d'Harry, Ron, Hermione. En plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de sous-détails. Par exemple, là je sais de source sûre que c'est bien Daniel Radcliffe qui a écrit ici, Rupert Grint ici, Emma Watson ici. Et il y a plein de petits détails, chaque œuvre peut être contemplée pendant plusieurs minutes. Et en plus les employés ici sont super sympas, ils n'hésitent pas à donner des anecdotes si on en demande. Et ce qui est vraiment cool ici aussi, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on vient, ils changent les prints, ils en ajoutent de nouveaux. Les animaux fantastiques aussi ont été intégrés, donc je pense que là avec les nouveaux films, il va y avoir encore plein de nouveaux prints. Et ce que je tiens à dire aussi, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit, c'est dans l'hypercentre de Londres. Franchement, c'est une visite à faire. À chaque fois que je viens ici, je viens et c'est top. Du sol au plafond, il y a des prints Minalima. C'est juste magique. Regardez toutes ces affiches. Il y en a partout. Hop. Ici, j'adore parce qu'en fait, c'est écrit « Merci de ne pas déranger la goule ». Là, on a une petite sortie avec le petit symbole des sorciers. Alors, je vous conseille vivement de voir la pièce Harry Potter et l'enfant maudit. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le texte de la pièce est mauvais et incompréhensible. Personnellement, je vois ce projet comme un hommage au théâtre à la saga. Car malgré que le texte soit aussi séduisant que notre cher Argus Rusard, la mise en scène de la pièce est extraordinaire et je dirais même à couper le souffle. On a une autre vision d'Harry Potter sur scène. La semaine dernière, j'ai une nouvelle fois craqué et je suis allée voir la pièce pour... Oui, la cinquième fois. Oups, ouais, vraiment, franchement, pour moi, elle est vraiment trop bien. La pièce, elle est divisée en deux parties de 2h30 de show. Franchement, si vous avez l'occasion, allez-y, ne jugez pas le projet trop vite. Surtout pas avant de le voir. Et en plus, les tickets les moins chers sont à 30 livres pour voir 5 heures de show, donc ça vaut vraiment le coup.
Un autre lieu à découvrir ici et qui a été ajouté il y a quelques années, c'est la boutique Noble Collection. Je suppose que c'est la seule au monde. Mais cette boutique, elle est géniale parce qu'en fait, on peut voir tous les objets de Noble Collection très bien exposés. Et ouais, on est dans l'univers, les objets sont magnifiques. Et en plus, c'est juste à côté de la House of Minalima et du Palace Theater. J'ai fait une vidéo complète de cette boutique que je vous mets en description. Je vous invite à aller la voir. Le sixième lieu que je vous conseille, je l'ai découvert récemment, c'est le bar Le Cauldron. C'est un bar magique. Pour y accéder, il faut réserver un billet à l'avance qui coûte 42€, ce que je trouve quand même un peu cher pour ce que c'est. Après, franchement, l'expérience, elle est vraiment géniale et à faire au moins une fois. En fait, on réserve une séance d'1h45 pendant laquelle on prépare deux potions. En tout, en fait, on a trois boissons comprises dans la séance. On en a une de bienvenue, en plus c'est trop chouette puisqu'on peut choisir entre quatre choses. Enfin, je vous en dis pas plus parce qu'il y a une vidéo qui va sortir à ce sujet. Ce qui est vraiment top aussi, c'est qu'en fait, ils ont traduit les recettes en français. Donc si jamais vous n'êtes pas anglophone, il y a même un employé qui, quand on y était, parlait français. Donc c'est vraiment top. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que pour participer, il faut avoir au moins 18 ans. Donc si vous n'avez pas encore cet âge, un petit peu de patience et vous pourrez y aller plus tard. Et enfin, le dernier lieu, vous l'avez deviné, c'est l'incontournable, les studios Harry Potter. C'est situé à 35 km de Londres. Pour y venir, c'est impératif que vous réserviez vos billets à l'avance. Alors pour les prix, pour les adultes, c'est 47 livres et pour les enfants, 38 livres. Il faut vraiment réserver ses billets à l'avance et surtout pas prendre vos moyens de transport et vos hébergements avant. Je connais des fans qui se sont malheureusement fait avoir. Donc pourquoi faut aller au studio? Bah tout simplement parce que c'est magique. On marche sur les pas des acteurs, on voit tous les décors, on peut y rester facilement une journée et ne pas voir le temps passer. C'est incroyable. J'ai d'ailleurs fait un vlog complet sur les studios que je vous mets dans la fiche et en description. Mon top 7 arrive à sa fin. N'hésitez pas à me poser des questions sur ces lieux en commentaire si vous en avez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.